stream sur Evil Genius 2 World Domination. Nous sommes à la cinquième session avec Ivan Leroux. Donc j'ai fait une liste de 2-3 heures, donc j'ai pas avancé dans le jeu, rassurez-vous. J'ai juste dû réorganiser ma base et j'ai fait des trucs en off que vous allez découvrir ce soir, donc rassurez-vous là-dessus. Voilà. Donc je mets tout de suite le chat sur mon autre écran et normalement tout est bon. Voilà. Au passage, je souhaite remercier donc les derniers followers qui sont AlfTigroTWC, Ivan04 et Tico21. Bienvenue à vous les gars. Donc l'oiseau fait son nid, donc on est parti pour jouer le super méchant. Donc je vais vous montrer où j'en étais, donc avec le camarade Ivan le Rouge. Donc le voici, ce bel homme. Je vais également vérifier aussi pour les paramètres graphiques. Une mauvaise surprise, je commence à en avoir un peu marre. Ok, donc là pour moi tout est bon. Donc là je vais mettre en pause. Alors je prends mon ellipse. Alors j'ai retravaillé la base un petit peu. Là j'ai fait un petit couloir exprès, peut-être pour foutre des pièges à un moment dès que je serai assez avancé. Bon, le casino est toujours un peu grand, hein. C'est ça qui m'ennuie. Je vais essayer de le rétrécir un peu pour l'instant. Alors attends, les colonnes, on va les vendre. Donc on va se refaire un petit peu d'argent. Salut Gauthier, comment vas-tu l'ami? Bienvenue à toi. Là alors tu arrives un peu de temps après mon ellipse. Donc il y a trois. Là j'ai juste fait un truc vite fait, mais rien de bien grave. Cette semaine ça a été un peu long, j'ai galéré à réfléchir à comment retravailler ma base et tout. J'ai étudié des conseils, on sait-on jamais. Alors attends. Donc là je vais essayer de déconstruire un peu pour mieux rebâtir. Bon, ok. Apparemment ça je peux pas l'enlever, je sais pas pourquoi. Bon c'est pas grave, donc je vais remontrer un petit peu ma base. Donc là on a toujours le casino. Oui, bah bien sûr. Alors voici ma caserne qui a bien grandi avec le fameux cheval de Troie. Oui, le seul et l'unique. Notre cochon volant pour redonner du moral à nos sbires. Donc là on a réagrandi. Alors on a déconstruit ici, alors c'était deux têtes, la chambre forte ainsi que la production d'électricité, donc les centrales électriques et tout ça. La salle du personnel de repos, je l'ai mis là. Donc là ça fait plus de personnes qui peuvent se soigner. J'ai fait une petite fusion de salles pour tester et je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'ai mis donc les incinérateurs de cadavres derrière la prison, comme ça lorsque les agents sont interrogés et décèdent, ils sont directement incinérés là et on est tranquille. Le centre des gardes a également été agrandi avec trois tables. Le poste de formation, j'en avais mis un petit ici mais qui servait pas à grand chose. Ce que j'ai fait, j'ai pris le devant, j'ai agrandi le tout. La salle des archives pour l'intelligence de nos sbires, elle a été aussi agrandie comme vous pouvez le voir. Comme ça, ça nous permet d'entretenir nos sbires. Ah, je vais y arriver. Le laboratoire, lui, a pas bougé. Il a juste connu quelques petits changements. Donc, on a doublé un petit peu donc les deux outils d'analyse de répercussion et la base de données. L'électricité, on est large, hein, mais tu vas comprendre pourquoi le moment venu. Le sanctuaire n'a pas bougé. J'avais une ancienne aussi infirmerie. Je crois que c'était entre l'ancienne salle de garde et la prison électrique. Et j'ai rajouté aussi les nouveaux bâtiments, comme ça on est tranquille. Donc on a encore pas mal de place sur ce premier étage, ça c'est plutôt cool. Je pense pas que j'ai rien oublié. Ah si. Alors Gauthier, si tu as la mémoire, où à ton avis peuvent être la salle de contrôle, la salle du coffre et je crois que c'est tout pour l'instant. Et la salle et les centrales électriques, où est-ce que j'ai pu les mettre? Tu les vois pas là.
Donc là, on peut entretenir jusqu'à plus de 200 sbires. Hein. Tu ne vois pas? Eh ben, la réponse est là. Tadam! Eh oui, parce que dans cet dans Evil Genius 2, ce que l'on pouvait pas faire dans le premier Evil Genius, notre base n'avait pas de sous-sol. À l'époque, c'était en 2004. Mais là, ils ont rajouté cette option grâce à l'escalier. Ce qui fait que bah, j'ai mis toutes mes salles entre guillemets à risque en dessous. Comme ça évite qu'elles soient forcément attaquées, tu vois. Bon, là, si tu regardes ma trésorerie, elle peut monter à plus de 230 000. Donc, j'ai encore un petit peu de marge pour avoir de l'argent en masse, quoi. Alors après, au niveau des recherches, pour le moment, je suis à jour, donc je peux pas utiliser les recherches de niveau 3, malheureusement. Et crois-moi, j'en aurais bien besoin à un moment. Pour les pièges et tout ça. Donc là, j'ai toutes mes recherches de niveau 2 à jour. Au niveau de la situation mondiale, bah, on est plutôt pas mal. Je vais m'occuper du fusil à plumes, là, pour récupérer. Hop, voilà. Là, j'ai encore un peu d'argent sur cette ancienne mission que j'avais fait. Ouais, après, il faudrait que je revoie mes pièges et tout à un moment. Ça, y a pas à se dire. Et là, j'aimerais faire cette dernière mission de guerre épée. Donc, guerre épice, guerre épée, bien sûr. Donc, il me faudrait 25 000. Mais le problème, c'est qu'il y a Olga Atomique dans le coin, qui est une des super agents. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je vais remonter à l'étage. Donc à mon avis, je pense que ici, je vais faire toutes les salles à risque, entre guillemets. Peut-être que je ferai une caserne en mode extension, tout simplement, parce que en haut, ils sont pas mal nombreux. Mais je pense qu'une caserne en sous-sol, c'est pas déconnant. Et ça permettrait aussi aux salles de... Les relais aux salles d'information, donc d'avoir du personnel pas loin, quoi. Et je pense que je ferai une caserne par étage. Je pense que ça peut être un bon plan. Ça pourra mieux diviser les fonctions, tu m'as compris quoi, les tâches. Avec une petite cuisine et tout, à un moment, je pense que ça devrait le faire. Niveau électricité, on est large. Donc, on y retourne. Donc, c'est bien un petit peu de réflexion. Bon, évidemment, là, je pense que je vais devoir refaire des trucs de piège ici. Là, je pourrais en faire pas mal. Bon, cette porte-là ne nous sert pas à grand-chose. Je vais peut-être juste la déplacer, tiens. Où pourrais-je mettre cette porte pour pas qu'elle embête le monde? Ouais, l'infirmerie, pourquoi pas aller. Et à mon avis, je pense qu'à un moment, j'essaierai de monter aussi, donc pour mettre d'autres trucs. Est-ce que j'avais fait des objectifs optionnels? J'en avais pas fait pour le moment. Donc là, il me reste juste à déstabiliser le hammer. J'attends juste que Olga Atomique s'en va. Et ça devrait passer. Donc là, on commence à être bien. Donc, à mon avis, je pense qu'il y aura une autre salle d'information à un autre étage de la base. Pour moi, on n'a plus beaucoup de puissance d'émission. Je vais voir si je peux pas essayer de rajouter dans ma base en bas, tiens. Dans ma salle des opérations. Ouais, je pourrais en rajouter une, effectivement. Voilà. Comme ça, on va gagner 2 points d'émission supplémentaires. Puis les sbires peuvent passer. Je vérifie ça aussi. Donc là, j'ai gardé tous ces écrans tout simplement pour générer des indices. Tiens, en parlant d'indices, j'avais pas un agent à interroger. Je crois que si, hein. Oula. Au feu, au feu. Ah, il y a eu du dégât. Alors, où vais-je mettre mes sièges? J'en avais mis 2, hein. Ah là 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 là, je te jure. C'est qui a fait ça? C'est qui le con qui a fait sauter le pont? Alors. Des agents, bah tiens. I want that intruder found and capped. I want that intruder dead if you find them. Y a des vilains, vous avez vu? Là, j'ai un petit peu trop de postes de garde, je vais les revendre. A minion has caught fire.
Comme ça, ces deux-là vont surveiller l'entrée, ça suffira. Bon, là, on va perdre beaucoup d'ouvriers, mais bon, tant pis. Non, c'est pas des petits agents. Ah, j'ai commencé à jouer hier, Gauthier. J'ai fait un début avec les Scipions. Enfin, les Skippy, donc les en campagne courte. En 3 heures, j'ai réussi à détruire Carthage. Il ne me reste plus qu'à m'occuper des ennemis, mais là, ça va être plus compliqué. Mais bon, je pense qu'il y a moyen. Non, ça va être bien en feu. Ah. Alors, il y a eu des super des saboteurs, mais j'ai pas vu qui c'était. Oh la vache! Non, non, il y a eu un truc qui va pas là. Il y a eu quelque chose que j'ai loupé. Ah. Agent Steel, here. Yes. Not a problem. Donc c'est lui qui nous a mis dans la merde. Salopard. Incendio is listening. Oh. Bon, ça va. On n'a pas eu trop de dégâts, j'ai eu peur de ça. That's how your minions dress. No wonder Agent Steel prevailed. I shall cut you in half like a lovely assistant. Oh, mais il a l'air fumé lui, hein, avec ses capacités Mysterio, Incendio. J'allais dire Mysterio par rapport à à Spider-Man. Eh bah ben, c'est pas grave, bon, on a perdu pas mal d'ouvriers. Hein. Alors lui, on va le conditionner. Et lui, on va l'interroger pour des indices. Alors, le Gatomique, elle garde toujours un œil ici. Hmm. Ok, ça c'est bien, on a gagné. Alors on pourrait encore faire... Alors on a deux régions ici, deux régions là. J'ai qu'une région. Par contre, j'ai pas de région au smash, je crois. On va essayer de faire un petit repérage ici, en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, donc le nord de l'Amérique du Sud. Bon, on est pas mal niveau indice. Allez, va faire le zouave. Alors lui, Van le Rouge, je regarde un petit peu avec du recul. J'ai l'impression que les développeurs de Rebellion, c'est mon point de vue, ils ont fait un petit hommage à Arnold Schwarzenegger. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, on a entendu le I'll be back qui fait penser à Terminator, pour ceux qui ont la référence. Le deuxième élément qui me fait penser à ça aussi, c'est le lance-roquette d'Ivan. Il a un lance-roquette avec 4 roquettes potentiellement qui peuvent être tirées. Et je crois que dans le film Commando, Arnold Schwarzenegger avait ça à un moment, dans une des scènes. Et le dernier, c'est le fait que ce soit un officier russe, entre guillemets. Il me semble qu'Arnold Schwarzenegger avait joué dans un de ses films en tant que soldat russe ou officier russe, je ne sais plus exactement. Salut Momon, comment vas-tu? Donc moi, je pense qu'il y a peut-être un petit truc en hommage à Schwarzenegger, je sais pas, mais... Donc Commando, si tu vois une scène, annonce, il a un lance-roquette, donc j'ai pensé à ça avec son vieux lance-roquette, justement. Le Hellbug de Terminator, ça se tiendrait. Ah, ton emoticône n'est pas passé, Momon, je sais pas pourquoi. Donc là, on est plutôt pas mal, donc je te referai visiter la base après, Momon, je dois juste faire un ou deux trucs. Ok, justement, bah là, on a l'occasion. 6 gardes de mercenaires, 4 domestiques. Let's go. On va déstabiliser le Hammer au nord du Japon. Et en parlant de ça, j'ai oublié un truc que je devais faire. On va essayer d'obtenir Jubei. Winwars, le vent contre-attaque. En hommage à Star Wars, bien sûr. You've been busy interfering in business. That is none of your concern. Vous vous mêlez des affaires qui ne regardent pas, qui ne vous regardent pas. As have you. You got my student. That makes it my business.
You should have stayed out of my way then. I know where you are. Donc, I'm coming for you. Dans ce cas, vous auriez dû rester en dehors de mon chemin. Je sais où vous êtes et je viens vous chercher. Ah, your confidence is refreshing. But can your people protect themselves as well? Votre confiance fait plaisir à voir, mais vos subordonnés sont-ils capables de se protéger aussi bien que vous? Non, papy Jubei, s'il te plaît, Momon. Alors, trouver un indice dans le monde. On va commencer tout de suite là. Alors, Momon, bienvenue dans la base réaménagée. Oula! Distraction d'agent ici, s'il vous plaît. Distraction d'agent. Et là, je sais ce que je vais faire. On va faire le mec parano. Je me disais qu'avec Ivan, je jouerais pas forcément sur les pièges, mais je pense que finalement, si. On va en mettre 3 déjà. 4. On va tester le mur de laser un peu, tiens. Ouais, la base, elle a bien grandi. J'ai fait du raménagement. Donc là, bienvenue. Donc ça, c'est l'étage principal hein, de base, qui a un peu changé depuis. Et voilà ma petite surprise en bas. Toutes mes salles clés. Ouais, j'ai fini. Ça m'a pris 3 heures pour faire tout ça. J'ai réfléchi. Hein. Vous m'auriez vu prendre des notes à un moment, vous auriez été choqué. Je me dis, c'est pas le Kaiser qu'on connaît ça. Ah non. Niveau électricité, on a encore un peu de marge. Alors pourquoi ça ne veut pas ici? Et si je le mets comme ça? Non, ça passera pas. Voilà. On va déjà mettre 2 trucs comme ça. Lui, on va le bouger un peu pour pas qu'il gêne. Alors, où sont nos agents? Donc là, on va essayer de revenir à un moment. Donc là, on va profiter que Olga Atomique soit pas là pour déstabiliser le Hammer. Aïe, on va avoir des problèmes avec le Hammer, à mon avis, à un moment. Bon, la calculette, Momon, j'aurais été fou, là. On va remonter au premier étage, mais maintenant on sait qu'on peut réutiliser les étages sur le long terme, et ça c'est cool. J'ai aussi revu un petit peu la réorganisation dans les budgets, parce que ça coûtait quand même du pognon, hein, nos sbires. Alors j'ai mis 30 scientifiques, 25 sbires de force, et 30 sbires en ruse, pour l'instant. Que ça coûte, hein. Je vais pas vous le cacher, mais ça coûte. Donc on est plutôt pas mal. Et à un moment vous seriez marré, je sais plus si je vous l'ai pas encore dit, je crois. À un moment j'ai fait un misclick de fou. En fait j'étais avec Ivan, avec Incendio et Ellie ici. Et à un moment, je les regarde et je vois une icône tuée sur Incendio. Alors, je tue Incendio par erreur. C'était un misclick digne de Maf Gaming. Hein. Là, vous seriez bien marré. Je tue Incendio par erreur, ça met le feu à mon sanctuaire. Je dis, oh merde, j'ai tout de suite rechargé et j'ai eu un success team avoir exécuté un homme de main, Louis. Oula, ça, il faut le détruire, ça. Voilà. Donc, je bois une petite skull, je rappelle. Toujours, l'alcool est avec modération et à votre santé. Donc du coup là j'ai fait que 2 success teams, c'était pour avoir... Attendez, je vais vous les remontrer. Il y avait 200 sbires, donc celui que vous avez vu à un moment. Et cruauté gratuite.
Exécuter un homme de main loyal. Bon, on va surveiller un petit peu ce que font les enquêteurs et à combien ils viennent. Par contre, lui, Incendio, j'arrive pas à le soigner. Je pense qu'il faut que j'attende un peu ou il y a un truc spécial. Alors, trouvons un indice. Ah, on s'est raté apparemment. Ah, fait chier. Et là, c'est pareil, on s'est raté sur les deux. Bon. Super. Donc là, on a les murs laser. Donc, je me demande ce que ça va faire. Ça faudrait qu'on teste à l'occasion. Mais bon, là, on va voir. Donc là, j'ai rajouté quoi? 3 pièges à poison, 2 un mur laser. Ça va être plutôt marrant, si vous voyez ce que je veux dire. Il suffirait juste que je rajoute un ventilo ici. Dans les pièges et tout, et go. Mais bon, le problème, c'est que ça va jouer sur mes sbires aussi. Ça va, Richard, tu grailles bien? Vous imaginez d'être dans la peau d'un sbire pendant 24 heures. Ventre plein, moral et dégâts techniques inclus. Ah bon? On va tous les distraire, on va pas se casser la tête. Les seuls qu'on pourra pas distraire, évidemment, ce sont les soldats. Bon, tous, hop, c'est fait. On va renvoyer 3 gardes ici. Quand on n'a plus assez d'argent, allez. On y est presque, allez, 25 000. Donc là on est plutôt bien là. Donc là pour le moment ce qui m'embête un peu c'est que je peux pas améliorer mes recherches. À mon avis je pense qu'il faut qu'on avance un peu plus dans le jeu, les scénarios principaux pour y arriver. Alors les gars, si un jour vous me voyez parler en anglais à l'occasion, donc je dirais pas sur ce stream, cette run-ci, mais j'aimerais essayer de parler un petit peu anglais à l'occasion pour essayer de me débloquer un peu mon accent, quoi. C'est juste personnel, hein, pour voir un peu si vous arrivez à comprendre, pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc je resterai en français, rassurez-vous, si ça peut aider à attirer un peu plus de public, pourquoi pas. Je pense qu'il vaut des fois, il n'y a pas d'honte à parler plusieurs langues, au contraire. Donc là, les sables du temps, je sais pas ce que ça donne comme bonus, mais ça a l'air plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression que les sables que vous voyez ici, il n'y a pas de réparation, mais j'ai l'impression que ça les répare automatiquement. Bon, c'est réussi ou pas? Donc là, Jubai, ça va être bon. Ah merde, on va tirer la cambrioleuse. Construire des caméras de surveillance dans la base. Combien? 10? Bon, bah ok. Hein. Une caméra, ça peut tenir. En gros, il m'en faudrait 4 de centres comme ça. Oh. Sorry. Was the door locked? I didn't notice. Je pense que je vais virer un des postes de garde. Hein. Attends quoi? Pourquoi? Objectif principal terminé, ok. Alors pause 2 secondes. Les forces du piste vont déclarer la guerre, attaquent votre île, vous ne pouvez plus reculer, mais vous n'êtes pas encore en mesure de les vaincre. Une seule solution, diviser pour mieux régner. Récompense 5 ouvriers, 5 gardes et 10 indices. Et 20 000. One by one, the nations of peace turn on each other like starving rats. They retreat, and I grow strong. Very strong, General.
But peace is not gone. They still have supporters who oppose you. Yeah. You violate some human rights. Shall we press the attack, sir? Finish what you have started. Yet, I will show them my throat. And when they go for it, I will remind them that there is a reason I am Red Ivan. Alors, tuer les soldats du PIS dans le monde, tuer les enquêteurs du PIS dans le monde, déclencher le havoc sur la République Sud du Smash, déclencher le havoc sur la région province de Lundville, déclencher le havoc sur les territoires du Sable. Ok. Alors, mes hommes de main, là. Find that intruder and kill them. There is intruder to be found. Kill them. On my way. Yeah, with grace. Oh, elle est dangereuse, la symétrie. Vous avez vu ça? Elle est capable d'être invisible. If you see this, there's an intruder here. Kill them. What do you need? Et tu sais quoi, hein, pour emmerder le monde, on va activer le 6 coups de Ellie. What's the matter? Never fought an international super spy before? No one sees me coming until it's too late. Alors nous on va tenter de le capturer. Où c'est le bazar là? Mysterio, t'es où toi? Is it a trick or an illusion? You should see the other guy. He's dead. You can try to fight me, but you won't like how it goes. Qu'est-ce qu'il fait, mystérieux Incendio? Bon, bref, on va essayer d'espérer un combat, ça se passe bien. Bon, on a déjà les arsenals au haut niveau. Maintenant, il faut qu'on écrase les agents les uns après les autres. J'en ai ici garde là-bas aussi. Maybe next time, you'll dazzle. La prochaine fois, c'est qui ça encore? Parce que là, on va avoir besoin de trucs, ça c'est ce que j'ai vu. Je pourrais déclencher le havoc, mais je vais éviter pour l'instant. Bon, ok, ça se passe plutôt pas mal. Là, je suis à combien? Je suis à 76, on va éviter les conneries. 3 domestiques pour réduire la tension, ok, ça me va. Je crois que c'est ça, les fameux enquêteurs et agents qu'il faut éliminer dans le monde. Ok, j'ai compris. Ok. Alors, est-ce que je peux améliorer mes recherches ou pas encore? Bien sûr que non. Donc là, on va accumuler un petit peu d'argent, ça va se mettre plutôt pas mal. Alors, terminer une machination contre la mort, former des gardes. Et aussi, là, je devais faire des caméras supplémentaires. Voilà, ça nous coûtait 30 d'électricité. Hein, ça va coûter, mais je pense que ça peut être rentable. What do you wish of Incendio? An agent has been captured. On va capturer. Stuff them into an impossibly small box. Magic. And just like that. Donc là, le cambrioleur là. Bon, nos pièges ont marché partiellement, on va dire.
Bon, là, ça se termine dans 15 minutes. Lui, il nous surveille, c'est ça qu'on veut. Là, on va réduire la tension. Là, c'est l'agent X. On va éviter de l'attirer pour l'instant. On va accélérer un petit peu. Optional objective complete. Alors, c'est lequel ? Je vais débarrasser des corps, ok. Interroger un saboteur, c'est pas ce qu'on a là, c'est quoi? Non, c'est un braqueur. Par contre, lui, il me plaît bien. Je pense que c'est l'un des enquêteurs qui... Ah non, c'est pas... Objectif optionnel terminé. Former des mondains, ok. Allez, on va continuer. Hein. On va faire du lavage de cerveau à la chaîne. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un peu pour améliorer la base en dessous, tiens? Peut-être que je vais peut-être finalement faire un incinérateur ici, ça va nous permettre aussi de, comme ça, compléter l'espace. Voilà, je vais rajouter tout ça d'électricité. Ça coûtera 30 000, mais sur le long terme, on sera pas mal niveau investissement. Et ça me permettra de couvrir les caméras que je veux faire. Alors, excusez-moi pour le bruit, c'est un petit détail, rien de bien grave. Alors, on va construire d'autres caméras. On va fortifier nos salles secrètes. Ça va déjà rajouter 4 caméras ici. Est-ce que j'en rajouterai pas une là, tiens? Non, ah, il y a l'extincteur qui gêne. Ok, 5. 6. On va faire le mec par nous. 7. A trap has been triggered. 8. 9. Et voilà, 10. Je pense que là, on est pas mal comme ça. Là, il y a un groupe d'enquêteurs qui arrive encore, des emmerdeux. Non, non. I need you to find and distract that intruder. Find this intruder and then cause a distraction. I command you to locate and distract this intruder. Là, en fait, le petit couloir, je vais vous expliquer ce que je compte faire. C'est essayer de faire des trucs à piège. Ça ramène les intrus dedans, vous voyez. To bay down is proving more difficult than anticipated. The old man is always a step ahead. It doesn't help that Hammer and Anvil are also collecting their own clues about his whereabouts. Yes, that. What did you say? Oh, Hammer and Anvil are collecting data about his location too. Ah, ça va nous servir ça pour l'avoir. And Hammer and Anvil are interroger des agents de l'Anvil dans la base. Affirmative. Tu sais quoi, on va les arrêter le marquage. Extract this intruder when you find them, comrades. I command you, ignore this intruder. If you see them, if discovered, ah, bah les voilà, ces deux, ces guignols. Et de 1. Fine. We will crack locked and loaded. Et de 2. Yeah. Task complete. What to do? Affirmative. Time to earn my. Excellent.
Et après, je pense qu'il va y avoir un petit peu de nucléarisation, si vous voyez ce que je veux dire. On va éviter John Steele, on va éviter. Hein. Alors, province centrale, ce serait celle-là qu'il nous faudrait alors taper. République Sud du Smash. Ça doit être celle-là. Oh. On a combien ici? Trois ouvriers pour durer de la tension, c'est bien. Donc là, il faut qu'on aille chercher leurs troupes, les soldats et tout. Donc là, on a déjà fait deux. Et après, je pense qu'une fois ça, on va déclencher le havoc au fur et à mesure pour calmer le tout. Alors toi, on va te capturer et toi avec. Voilà. Apparemment, il y a des agents de Lanneville dans la base. C'est eux? Oui. On en a plusieurs. Bon, bah c'est pas mal. Et là, j'ai mis mes deux postes de garde exprès, justement, c'est pour contrôler un petit peu. Une machination réussite, ça c'est bien. Tuer un soldat, ok. What next? Laissons-les venir. Fine. Il y en a qui pourraient me poser, ils m'ont pas encore posé la question, mais ils me demandent, ouais Kaiser, mais on sait que t'as des super agents, mais pourquoi tu, il y a des super agents, pourquoi tu t'en occupes pas tout de suite? Je ne m'en occupe pas tout de suite parce que j'ai pas que ce soit beaucoup trop puissant pour le moment actuel de la partie. C'est juste pour ça que je le fais pas. J'attends qu'ils rentrent tous. Bon bah ça c'est fait. An intruder has escaped captivity. Oh. Ah, il fallait... Merde, j'ai fait le con, fallait pas les tuer, mais fallait les capturer. Ah, bon sang. Bon, on va être sympa, on va leur faire un petit interrogatoire. We have captured an intruder. Alors, toi, tu vas venir là, et toi, tu vas venir ici. Donc là on est pas mal. Et là on a de l'argent à gogo. On va chercher 30 000 de plus. Alors toi on va te capturer. Toi on va te... Hop, on va le capturer aussi. Ah, dommage. Capturez-le. On en aura déjà capturé deux, c'est déjà un début. Il nous en faudra encore un et ce sera suffisant pour avancer avec le Jubai. Donc toi tu vas revenir là. What do you wish? Every little thing I do is magic. It's tiring. Alors pause, attends, c'est quoi ça? On tue. On tue. That intruder. On élimine. On élimine. I have reports of... I'm the... Feel the heat. Red heat. Won't this... Ouais. It's quite upsetting. Like a... Ok, bon. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là, ce garde? Ah.
Bon, on va devoir faire un petit lavage de cerveau, Asgard, hein, je crois qu'il a pas compris. I want that minion ignored. Et de 1. Machination terminée. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs accomplis pour le moment? Non. Saboteur, on n'a rien à tuer. Saboteur du sabre non plus. Interroger un saboteur, ça va être compliqué. Exécuter un technicien, par contre. Alors, où est-ce que j'en ai repéré un? Technicien. Oh oh. Voilà, ça c'est fait. Lui, il va perdre sa détermination. Et une fois que ce sera fait, on sera pas mal. Allez. Allez, petit, comme en 98. Allez. Ou en 2018 aussi, tu me diras. Alors, un piège a été déclenché. Où ça? Ah, c'est Agent X. Oh putain. Minions find agent X. Say privilege. Targeting hostile. Democracy dies in darkness. Voilà. But it's not nighttime yet. Bon, Ivan, tu vas reculer un petit peu à ton truc. Even commanding officers need time for other. You see that intruder? Capture them. Minions, seek and destroy this intruder. Ah. Bon, au niveau technologie, si on demande beaucoup de trucs au niveau 2, on est plutôt pas mal, on est en avance. Voilà, il y a d'autres soldats, ils ont passé un sale quart d'heure, ça c'est bien. Voilà, c'est bien. Et là, ce qui est bien, c'est que vous, nos ouvriers, là maintenant, ils sont plutôt pas mal aussi. J'ai oublié de vous dire, on a une amélioration aux archives qui nous permet de leur donner 50 points de trucs supplémentaires. Bonjour, on va attendre qu'il baisse comme ça. On va pouvoir le passer à l'interrogatoire. Notre salle du coffre est remplie à 20, même pas 25%, 21%. On a réduit les salaires, on est à 45 000, j'ai refait un peu j'ai retravaillé un peu tout ça, on est aux alentours de 40 000. Bon, j'ai pas tous mes sbires encore, mais ça ne saurait tarder quoi. Peut-être que ça va remonter à 42 000, je sais plus. Et voilà. Brainwashing successful. Alors, est-ce que si je fais ça... Oh, ça pourrait être drôle, ça. Où ça? Qui ça? Viens à toi. Il faut le capturer. On va faire un autre lavage de cerveau, ça fera du bien. Là, on est pas mal, bon. We captured a minion. You've been able to track his movements for significant periods of time. How? Speak. And this is all over. We disabled his windwalking ability? I suspected it was possible. How did you do it? He was traumatized by losing a dance contest in his youth, and he loses all focus. Il reste traumatisé par le fait lors d'un concours de danse quand il était jeune, il perd toutes ses mains quand il entend sous bossa nova. Then he has both no chance and no taste. Eliminate this peon. And find my Quincy Jones vinyl collection. Ah bon, je savais pas que t'avais des goûts comme ça, mon cher Ivan. On en apprend des choses. Terminer la recherche, plan de bataille.
27 500, d'accord. Il va nous falloir du pognon. Il va nous falloir du pognon. Voilà. On va essayer de trouver de l'argent sur le monde. Alors, où est-ce qu'on peut en prendre sans trop avoir de problème? Il faudrait que j'arrive à choper les soldats du truc, là. Side story begun. Le plan annexe a commencé. Tiens, donc un autre. Donc le feu sera sacré, on verra plus tard. Le baron du crime, c'est toujours en cours. Oh, qu'il sera le chasseur, lui. Après, nage-moi, enfin, voici une ville. C'est ça, maman, tout à fait. A criminal network has too much heat and has locked down. Ah. Ah, on peut tout de suite, on va le faire tout de suite. Allez, go, go, go. A minion has been captured. On va lancer la recherche tout de suite, au moins on sera tranquille. You're running out of gold. Et lui? Maybe steal some from the world. Research has begun. Ouais, waouh, c'est quoi ça? On va aller chercher ça. Interrogation. Comme ça, on pourra avoir capturé peut-être un ou deux, un ou plusieurs soldats. On verra ce que ça donne. Donc là, je sais plus. C'est vrai qu'en Afrique, je fais pas trop d'action, tu me diras. Là, tu sais quoi? Alors, c'est République Sud. Territoire sud du SMAT. On va faire un petit repérage aussi. Voilà, excellent. On va dire, plus on aura de réseau, mieux ce sera. Mais bon, à mon avis, je pense que tôt ou tard, il nous faudra plusieurs. Je pense qu'on fera peut-être une. Pas ici, forcément ici. Oh, c'est quoi ça? Lui, vous allez me le capturer. Lui aussi. Et lui, vous allez me tuer. On va ramener Ivan, tiens, il est où? A new criminal network has been established. Alors, Ivan, tu vas aller là. Allez, au boulot tout de suite. Discipline. On est bientôt à la moitié du truc. Ouf! Heureusement que les pièges nous a sauvés là. Je vais peut-être essayer de rajouter un casier dans la caserne là, tiens. Not enough gold to complete this construction. Hop, ça nous fera 205 sbires tout pile. You're running out of gold. Maybe spend less or steal more. Alors, qui veut la guerre écrase le pis. Alors, il va nouter. On va y commencer à écraser. Alors, niveau 1. Ah oui, il veut nous faire du combustible maintenant, c'est vrai. On va commencer par taper qui. Province centrale de Lanville. Non, c'est pas ça que je veux, changer de région. Région des sud du Sahara. Et ben on va commencer par celle-là. Let's go. Vous allez voir que ça va foutre le bras dans ma base, mais bon, je suis prêt à le faire. Allez. J'en ai mis pas mal, t'inquiète pas, des extincteurs, j'espère que ça suffira. An inferno is raging in your lair. The fires are getting out of control.
No. Your minions are in combat. Not so tough. Bon. Your henchman is in combat. Où ça, où ça? Yes. Et là, on va se mettre en arrière général tout de suite. Oh là là, il s'est tout pris dans la tronche. Bon, là, au moins, les soldats du PIS, ils vont peut-être tomber, logiquement. Bon, ça y est, on a eu deux objectifs supplémentaires dans notre progression, c'est pas mal. Voilà. Oh la vache, par contre, de base, elle a bien réduit en truc. On va terminer la recherche avec Jubai aussi, comme ça on sera tranquille. Tout le monde a un point faible, sauf vous, et vous connaîtrez bientôt celui de Jubai l'ancien. Faites le nécessaire pour l'exploiter et préparez-vous à sa prochaine incursion. Ok, donc Jubai va revenir nous voir, si j'ai bien su, on a bien compris. On va être, on a intérêt à être prêt, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a deux de ses adeptes ici, Robert Lheureux. Lui, oh, ils ont chacun. Oh, Jubai, par contre, il est plus faible. Vous avez vu la différence de point de vie? Soon they will see on my way. Alors, est-ce qu'on a fait des objectifs optionnels? On en a fait. Hop, chut. Par ici les thunes. I'm thinking. Mais d'où? Ah, oh, j'ai mal, je me fais des rhumatismes. Aïe, 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 oui, oui, oui. Ah, que c'est dur, je suis trop vieux pour ces conneries. Sinon, tu as vu, Manager of Empires 3 a le droit au DLC de nouveau site qui a su ça. Ouais, j'ai vu ça, mon après, je t'avoue que, bah... Alors, attends. After this, they won't be back. Non, 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 non. Allez, viens à toi. Feu! Et là, alerte générale pour aider le boss. Allez, Jubai est tombé, boum! Red alert! Soon they will see red. Bon, bah, ma salle est complète pour une fois. Est-ce qu'on a d'autres objectifs optionnels? Plan annexe. Attends, on l'a pas tué quand même. Attends, je vais vérifier un truc si on l'a pas tué. J'ai un peu peur là. Ah, ça me ferait chier si on l'a tué. J'essaie de remonter de quelques minutes. J'ai peur qu'on l'ait tué alors qu'il fallait pas. On n'avait pas encore terminé la recherche plan de bataille. Je vais juste revérifier ma théorie. Je suis désolé. Parce que... Le coup de bâton bois, ouais. Parce que là, j'ai peur, en fait, j'aimerais le capturer. Alors, je me demande s'il fallait pas le capturer, justement, pour essayer de le convaincre. Your scientists have discovered something.
Neutraliser Jubei, ok. A henchman has recovered. Donc là sur l'écran de domination mondiale, alors c'est quoi ça? Il faudrait trouver du combustible. You shall know fear. I'll introduce you. Hop, un ici. Donc là c'est trop tard. Donc là on va continuer du pognon. Not enough gold to complete this construction. Ouais, on va récupérer de l'argent. Your minions are in combat. Alors attends, ça donne des trucs ou pas? Intruder is in the lair. Kill them. On essaie de le capturer. I'll capture them myself. Je ne vous défie pas. Ils ont réussi à s'enfuir, mais le cas de rien pourra attendre. Nous les retrouverons. Ok, ils se sont enfuis. D'accord. Bon, ok. Ils se sont enfuis, donc on peut pas les revoir tout de suite, à mon avis. On les reverra plus tard, mais quand. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On va récupérer du pognon là. Enfin, du carburant. Là, il y en a pas, malheureusement. Là, le pognon, on est bien, on est large. Allez. Là, le carburant, il nous faut récupérer 5 de carburant. Donc, pour avancer dans nos objectifs ce soir. Là, on en a déjà fait pas mal sur cette première partie. Oula. Bon, bah, c'est bien tous ces pièges. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tiens, bah tiens, justement, vu qu'on a du pognon, pourquoi pas agrandir notre salle du coffre, tant qu'on y est. Voilà. Plus notre salle sera grande, mieux ce sera, logiquement. Voilà. Let's go. Donc on l'a bien vu, ils se sont enfuis. On ne les a pas tués même. Donc c'est-à-dire qu'il faut encore au moins défaire une fois Jubei, je pense, pour qu'ils nous rejoignent. Et ça, j'aimerais tellement. Alors là, on a 205 sbires. On va essayer de remonter un peu les sbires force, là. Une petite vingtaine de gardes. Hop, on va remonter au premier étage, bien sûr. Là, notre salle des coffres, elle va gonfler, mais quand je dis qu'elle va gonfler, on va peut-être, on a déjà atteint les 300 000. Hein. Ok, alors, plan annexe, est-ce qu'on a Jubei qu'on voit quelque part? Non. Donc là, on a tous les super agents de ce que je vois. Le chasseur serait pas mal plus tard. Le feu sacré, le hamar mis sur la place, la flamme de l'Olympe.
Bah venez, on est dans la mythe. On aime bien tout ce qui est grec, nous, vous savez, on est une chaîne basée sur l'histoire. Il est temps de commencer ce plan annexe. Et ça fera la transition pour la prochaine fois. This heat. Why is it so hot, all of a sudden? This wasn't in any of the weather team's projections. Cette chaleur, pourquoi fait-il si chaud d'un coup? Ce n'est pas ce que la météo avait prévu. It appears another factor is in play, boss. Hammer seems to have uncovered something in Greece. Apparemment, il y aura un autre facteur en jeu, chef. Le Hammer semble avoir découvert quelque chose en Grèce. The flame of Prometheus. I thought it was just a legend. But I suppose all legends are true in their own way. La flamme de Prométhée? Je croyais que c'était une légende, mais j'imagine que toute légende a une part de vérité. Since they unearthed it, temperatures have spiked. It's starting to interfere with our global operations. Depuis qu'elle a été déterrée, les températures sont en forte augmentation, et cela commence à interférer dans nos opérations. Very well. Hammer has created little fires everywhere, but I will put them out. And then light my own. Très bien. Le Hammer a allumé des petits feux un peu partout, mais je vais les éteindre. Et après, j'allumerai les miens. Terminer la recherche tout feu tout flamme. C'est parti. Ok, on va s'arrêter là pour cette première partie, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures YouTube. Des bisous, ciao ciao.